Bienvenue dans cette petite vidéo où je vous propose la résolution d'un R de l'équation suivante. Donc c'est une petite équation intéressante. L'objectif est certainement de voir si l'élève est méthodique ou pas. C'est à dire si on utilise efficacement les règles de calcul pour résoudre de la manière la plus simple euh, cette équation. Je vous laisse le soin de vérifier que x doit être différent de moins 3, sinon c'est la catastrophe assurée. Ceci étant dit, la première règle qu'on va utiliser, c'est la suivante. Quand j'ai deux nombres, a et b, qui sont des réels non nuls, évidemment, si les inverses sont égaux, alors si 1 sur a est égal à 1 sur b, alors a est égal à b. Là, je vois que j'ai l'inverse d'un nombre qui est ici au dénominateur. Ici aussi, j'ai l'inverse de 7. Donc, je peux aisément dire que ce qui est au dénominateur ici à gauche est égal à ce qui est au dénominateur ici à droite, c'est-à-dire le 7. Simplifiant ainsi l'équation de départ qu'on m'avait donnée, sans pour autant perdre le, des solutions. Donc, je vais dire que euh, 1 plus 3 sur moins 1 plus 3 divisé par la valeur absolue de x plus 3 est égal à 7. Je vais faire passer le 1 de ce côté-là, ceci si vous savez le faire, ce qui me donne 3 sur moins 1 plus 3 sur valeur absolue de x plus 3 est égal à 6. Donc, je vais enlever un 3 ici, vu que c'est une multiplication, et je vais enlever un 3 ici. Remarquez bien que 6 est égal à 2 fois 3, ce qui me donne 1 sur moins 1 plus 3 sur la valeur absolue de x plus 3 qui est égal à 2. Là aussi, à nouveau, je vais utiliser une règle de calcul bien connue. C'est-à-dire, si j'ai l'inverse d'un nombre qui est égal à un autre, alors euh, le nombre de départ euh, est égal à l'inverse de, de, du deuxième. Ici, a et b doivent être différents des zéros, évidemment. Donc, 1 sur a est égal à b. Ceci signifie que a est égal à 1 sur b. Là, j'ai 1 sur quelque chose qui est égal à 2. Ceci signifie que la chose qui est ici au dénominateur est égale à 1 demi. Si bien que j'ai moins 1 plus 3 sur la valeur absolue de x plus 3 est égale à 1 demi. Et donc, j'ai 3 divisé par x plus 3, la valeur absolue de x plus 3, qui est égale à 3 demi. Là aussi, je vais enlever les 3, mais avant cela, je vais tout mettre à gauche. Et là, je continue, ce qui me donne 1 sur x plus, la valeur absolue de x plus 3, qui est égale à 1,5. J'utilise la première règle que j'avais utilisée au début, c'est-à-dire que si j'ai 1 sur euh, a, qui est égale à 1 sur b, a et b différents de 0, alors a est égal à b. Donc là, je peux dire aisément que la valeur absolue de x plus 3 est égale à 2. Très bien. Et là, je vais utiliser une propriété fondamentale des valeurs absolues. Euh, si la valeur absolue de a est égale à b, ceci signifie que a est égal à b ou que a est égal à moins b. OK? Donc j'ai valeur absolue de x plus 3 qui est égale à 2. Si seulement si x plus 3 est égal à 2, ou x plus 3 est égal à moins 2, ce qui me permet de dire que x plus 3 en valeur absolue est égale à 2, ce qui équivaut à dire que x est égal à moins 1 ou que x est égal à moins 5. Et finalement, j'ai l'ensemble des solutions s qui, y a deux éléments, moins 5 et moins 1. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer qu'en étant méthodique, on peut résoudre et faire des calculs de la manière la plus efficace possible. Donc, je vous laisse visiter ma chaîne YouTube et donc mon site internet. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Dans ma deviennent un jeu d'enfants. Aimez, abonnez-vous.